Merci, Madame la Présidente. Londres, New York, Madrid, partout des manifestations de soutien au peuple palestinien. Partout, sauf à Paris, où le gouvernement français les a interdites. Et nous, nous débattons depuis plus de 50 ans. À Gaza, un grand-père et sa petite-fille. Dit grand-père, c'est comment la liberté, l'égalité? Je ne sais pas. Je suis née, j'ai vécu et j'ai vieilli sous colonisation. Ton vieux cousin doit les connaître. Il est mort cette nuit sous les raids. Mais papy, est-ce qu'un jour je vais connaître la liberté et l'égalité? Ma mère en a rêvé pour moi, j'en ai rêvé pour tes parents et aujourd'hui pour toi. Mais rien n'a jamais changé. Mon enfant, promets-moi de ne jamais laisser entrer la rancœur et de lutter dans l'espoir de voir bientôt le monde retrouver son humanité, la raison l'emporter, les politiques penser au peuple, les violences et humiliations quotidiennes cesser, l'apartheid que nous vivons reconnu, les responsables jugés, pour enfin vivre en paix avec le peuple israélien dans deux pays. Et sache que des deux côtés, il y a des grands-pères qui font le même rêve pour leurs petites filles. Merci.